said good day, sir! Et bienvenue en live avec Luciano pour le deuxième match entre Team Dignitas et Virtus Pro, les Russes qui ont totalement dominé Dignitas sur la première game. Et Dignitas qui nous refait un pick un peu exotique pour le moment. On va parler rapidement des picks et des bans Virtus Pro first pick et qui aura décidé d'enlever Nyx Assassin et Darkseer, Keeper of the Light en first pick, et ça, ça fait plaisir. Wizbat Rider enlevé du côté Dignitas et ils vont choisir de prendre Clockwork ancien apparition. Team Dignitas qui joue à un autre jeu, c'est très intéressant, et qui décide de prendre des héros au final qu'on n'a pas l'habitude de voir. Clockwork, c'est un héros qui apparaît de plus en plus, mais on le voit pas non plus très régulièrement. Et Virtus Pro, bah, du coup, qui va pas se gêner pour prendre Magnus Gyrocopter. Ils sont pas là pour faire du Bodota, les Russes. Ils sont là pour gagner. Et même s'ils nous font du Bodota, hein, bien sûr. Mais ils sont pas là pour faire des stratégies très exotiques. Et Team Dignitas qui va renchaîner sur un visage. Ancien apparition, visage. Un combo qui n'a pas du tout fonctionné. Visage qui va encore une fois de plus se faire dépop ses oiseaux par le flag canon. Très très étonnant ce que nous fait Dignitas. Ouais, il y a toujours Honnête TV, mais ils nous ont pas dit de le retirer. Alors, en termes de ban, Nature's Prophet qui a été ban. Côté Team Nitas, Lone Druid Warlock. Côté Virtus Pro, je comprends plus rien à cette partie. Encore une fois de plus. En termes de Link Keeper of the Light support qui devrait être avec le Gyrocopter, peut-être l'apparition d'un Shadow Demon, voilà justement dans les bans qui auraient pu être pris pour Virtus Pro, justement. Magnus qui devrait être encore une fois de plus solo mid, je pense, ils peuvent aussi décider de le mettre en hard lane. Alors que du côté Team Dignitas, Clockwork, on va voir où est-ce qu'ils décident de le mettre. Ancien apparition visage qui devrait être en support, comme à la game précédente. Lifestealer qui arrive côté Virtus Pro. Tiens, d'ailleurs, est-ce que le Lifestealer peut se mettre dans les oiseaux de visage? Ah, alors ça j'en ai foutrement aucune idée. Je pense, je dirais oui comme ça, mais bon. Silencer qui va être ban côté Team Dignitas. Non, tu peux pas. Eh bien, merci Hugo. J'aurais eu tendance à dire oui moi de mon côté, donc heureusement que Hugo était là. Rubik qui va être pris côté Virtus Pro, ils repartent vraiment sur du basique, hein. Ils sont pas là pour faire de l'originalité, ils sont là pour gagner, ils ont bien raison. On va voir ce que va décider de prendre Team Dignitas. Il leur manquerait peut-être soit un solo mid s'ils décident de mettre Clockwork Hardlane, soit un Hardlaner et un carry donc pour aller avec Ancien Apparition et Visage. Du côté de Virtus Pro, le dernier choix, selon moi, serait un solo mid. Un Hardlaner. À quand un skin pour Magnus? Moi, ce que j'attends surtout, c'est à quand un skin pour Keeper of the Light. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Mettez-nous une putain d'unicorn. Oh putain. Tu nous mets unicorn et c'est parti quoi. Unicorn avec un Teletubbies au-dessus, moi je prends. Hein. Rien à foutre. Et qu'on voit des arcs-en-ciel. Oh là là. Oh putain non, qu'on voit des Nyan-Cat. Ah vas-y. Et s'il y a un viewer qui est motivé, vous me faites unicorn qu'on voit des Nyan-Cat. En poney. Et même si le skin coûte 50€, mec, je l'achète direct. Alors, toujours des soucis de DDoS? Non. Pour le moment, j'ai essayé de me protéger comme j'ai pu. Je sais pas si ça fonctionne et qu'il arrive pas à me hack ou s'il est pas là aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être qu'il est avec. Il est en soirée avec ses copains et qu'il va aller en boîte, tout ça. Tu vois, un truc sympa, quoi. Donc, peut-être qu'il est pas là, malheureusement. C'est dommage. Alors, c'est pas. Le skin de Lina, il coûte aussi cher parce qu'il y a une modification de spell. Alors moi je le trouve aussi très cher.
Il y a une modification de spell, il y a un portrait pour Dota 2, etc. Il y a des trucs qu'on n'avait pas avant, donc. Bon, mais c'est quand même très cher. Hein. Quand même très cher. Beastmaster qui va arriver côté Dignitas, qui a longuement réfléchi sur ses picks. Virtus Pro qui va nous prendre un Hardliner, Windrunner encore de disponible, notamment. Sauf s'ils décident de mettre Magnus, ils peuvent aussi prendre un solo mid. Et s'ils décident de mettre Rubick mid, ils peuvent encore prendre un support. Ils ont plusieurs choix, Virtus Pro, hein, dans leur pick. Val, t'as du taf. Au boulot. Et côté Team Dignitas, Beastmaster qui pourrait être mid, ainsi que Clockwerk. Alors, il y a un des deux héros qui va être hardlane. Beastmaster ou Clockwerk, un des deux héros va être hardlane. Et Team Dignitas qui va partir sur un carry en dernier héros. Peut-être encore une fois de plus une Luna. Ce qui est très étonnant, hein, la Luna de la game d'avant, c'est de partir sur une Shadowblade en fait. J'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt. Bounty Hunter qui va être pris en hardliner du côté Virtus Pro. Un très bon choix qui va leur permettre d'avoir beaucoup de mobilité. Merci Val, t'es un ange. Ah merde, j'ai oublié d'ouvrir mes coffres moi. Ah bon, c'est pas grave. On le fera pour on en ouvrira deux après. Et on verra ce que j'ai. Et c'est encore une fois de plus la Luna qui va apparaître du côté de chez Team Dignitas. Donc ils vont décider tout simplement de refaire à peu près la même chose. Les deux changements majeurs. Ah merde, alors attendez, hop. Enfin, quoique, je vais laisser comme ça au début. J'ai la flemme de bouger. Les deux changements majeurs sont du côté de Clock et de Beastmaster qui vont remplacer en fait. Qui vont remplacer. Silencer. Et c'était qui le hardlaner? Et c'était Batrider qui était ban. Non, je vais arrêter, c'est horrible. Voilà. Les deux équipes qui vont se rencontrer en un contre un. Pour le moment, alors Laura qui a été pris pour Luna, je suis pas sûr qu'ils aient un super niveau, hein, les Dignitas, alors qu'en face, il y a une Shockwave en Escouver qui peut être emmerdant, la Rocket Barrage qui fait énormément de dégâts, Illuminate derrière qui est toujours emmerdant, et Bounty Hunter qui va peut-être les voir, ou qui les a pas vus. Bounty Hunter qui les a pas vus, Virtus Pro qui recule, qui a pas envie de teamfight, je pense. Ouais, en tout cas, ils vont se voir. Virtus Pro, ils vont se voir, ils vont peut-être reculer. Greffshield qui vient d'être mis sur Rubick, et ça va engager. Illuminate qui a déjà été mis. Et Rubick qui prend énormément de dégâts. Ils vont pas décider de continuer. Et c'était le Kog qui avait été pris du côté du Clockwerk. Une salve déjà utilisée, du coup. Et j'ai l'impression que Dignity. Tass va partir en tri-lane agressive avec un Clockwerk qui avait le Chilling Touch niveau 1 aussi. Ouais, ça va être ça. Bounty Hunter qui part en haut ainsi que la Luna. Et d'ailleurs, qui va peut-être venir un peu lui casser la gueule. Pas du tout. Je pense pas qu'elle essaye de faire un contre un au middle. Un duel entre Beastmaster donc et Magnus. Un duel pas évident. Enfin, je pense que le Magnus va avoir l'avantage. Ça dépendra peut-être un peu de la bottle et de la gestion de cette bottle, justement. Shockwave qui a été sélectionné, il a un peu attendu pour prendre peut-être le skewer par la suite. S'il se faisait gang, des illusions qui sont arrivées sur le visage et Virtus Pro qui va être sous pression. Du coup, côté Dignitas, il va falloir réussir à kill une ward qui a été posée pour empêcher le pool et Keeper of the Lake qui va essayer de trouver cette ward qui ne va pas réussir. L'Illuminate qui est posée pour clean les illusions. Qui ne fait pas bien sûr d'XP. Et ils vont essayer de trouver cette ward. Je pense que. Ouais, voilà, il va bouffer. Il va se mettre juste là. Je pense qu'il sait, il doit savoir qu'elle est là, je pense. Il doit juste savoir qu'elle est là.
au middle. Beaucoup d'aras déjà mis par ce Beastmaster qui part sur l'Inner Beast pour le moment et un duel entre Luna et Bounty Hunters. Bounty Hunter qui va pouvoir faire chier, je pense. Bounty Hunter avec un Ginada sur une petite crêpe alors que le Rubik a enfin trouvé cette ward. Grave Shield qui vient d'être posé, Chilling Touch, la roquette et Rubik qui va prendre énormément de dégâts. Est-ce qu'ils vont réussir à le tuer? Le Grave Shield qui va arriver dans peu de temps. Est-ce qu'il va avoir la range? Non, il va pas avoir la range. Le dernier coup qui était trop. Non, ils vont arrêter là. Alors qu'au milieu, il y a toujours autant de dégâts. Le Skewer qui a été utilisé pour ramener ce Beastmaster sous la tour, qui a pris déjà beaucoup de dégâts. Une bottle qui est en train d'arriver, justement, avec un Baby Washen. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils ont... Wow. Pourquoi il a les trucs bleus, lui? N'importe quoi. Je ne sais pas. Et des Sentries qui sont déjà arrivés sur cette Luna pour essayer de prendre le contrôle de la ligne. C'est intéressant. Je suis pas sûr que ça suffise. Je pense que ce Bounty Hunter, à partir du niveau 4 ou 5, il peut vraiment faire chier. La Luna va peut-être récupérer une tranquille boot pour lui permettre justement de s'en sortir. Rubik qui vient de re-TP et toujours pas d'XP hein, sur les deux. C'est un niveau 2 sur l'ancien apparition pour le moment. Tiens, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur le compte Froggy TV pour dire Hugo, tu la boucles. Sympa. Et en termes de l'acide, j'en ai pas du tout parlé. Le mid qui est vraiment équilibré pour le moment. Une rune de régénération qui est utilisée. Belle esquive de la part de la Shockwave de la part de Fogged avec son Beastmaster. Alors que ça se picote encore un peu les fesses en bas. Keeper of the Light. On va voir ce qu'il prend niveau 3. S'il décide de prendre une Illuminate encore une fois. Je pense que ça pourrait être très intéressant de prendre un chakra magique pour essayer de spam un peu plus. Il n'y a pas de magic wand encore. Pas de magic stick, rien. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté des bottes, le Clockwork, et il essaye de farm. En termes de farm, justement, 9 last hit pour Clockwork et Gyrocopter qui est à 9 aussi. Donc c'est vraiment équilibré sur cette ligne. En haut, la Luna qui domine un peu le Bounty Hunter pour le moment. Moi, je suis persuadé que le Bounty Hunter va finir par dépasser la Luna, en fait, en termes de contrôle de ligne. Je sais pas pourquoi je le sens un peu comme ça. Pourquoi ne pas demander aux viewers de venir sur ce chat? Parce que tout simplement, quand on stream sur Daymotion, on est sur la Minium TV. Alors que la COG va être utilisée pour burn un peu de mana. Et donc, n'hésitez pas à venir sur twitch.tv/froggedtv pour parler avec nous, en fait. Puisque je ne lirai pas le chat IRC, le chat de base qu'il y a sur Millennium ou sur froggedtv, pour éviter de donner mon IP et pour ne pas avoir... des DDoS dans la gueule. Clockwork qui va prendre un homing missile, qui va facilement reculer. Je pense qu'il va peut-être être de l'aide de la part de l'ancien impérion qui va l'auto-attaque. Non, pas du tout, il en a rien à foutre, il va le prendre comme un homme. Voilà, c'est fait. Alors que ça va partir, le Keeper of the Light qui a récupéré la 8, je sais pas trop comment, et le Beastmaster qui va tomber. Ça fait deux kills très rapides pour Virtus Pro. J'ai loupé le kill sur visage, j'ai pas trop vu où il s'était fait récupérer. C'est le Keeper of the Light qui a récupéré ce First Blood. J'ai complètement loupé alors que le Bounty Hunter était venu. Et va prendre une Orb of Venom et va commencer à harass cette Luna. Je pense que la Luna, elle va commencer... Ouais, regardez. Elle va vraiment prendre trop de dégâts. Je pense que même le Bounty Hunter peut aller au bout. Ah, quoi que, il a que deux niveaux de Ginada. Alors, il a pris deux niveaux de Ginada, deux niveaux de Shuriken Toss. Ce qu'on nous a beaucoup reproché sur notre guide Bounty Hunter. Puisque moi... alors, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est Encarta qui l'a fait. Je lui avais dit non, max Ginada. Moi, c'est comme ça que je joue le Clockwork. Moi, bon, il y a différentes écoles. Je sais pas s'il y en a une meilleure que l'autre. Moi, je considère que c'est la mienne, mais c'est pas forcément le cas. Niveau 6 récupéré justement sur ce Bounty Hunter. Toujours pas du côté de la Luna. Le gang qui a été très prolifique hein, de la part de ce Bounty Hunter. Une haste qui lui a permis vraiment d'être rapide et de revenir très rapidement sur la ligne. Et là, il a pris le contrôle de la ligne complètement. Et il va pouvoir commencer à dépasser en termes de last hit. Il est parti, hein, donc il a perdu un peu de temps. Mais il est niveau 6 avant. Il va pouvoir être influent avec sa track. Alors qu'en attendant, c'est qui est en train d'arriver? C'est l'ancien apparition qui a peut-être essayé de tuer. Est-ce qu'il y a encore de la sentry? Il y a encore de la sentry pour cette Luna. Il y a un niveau 6 qui va bientôt arriver. Clockwork, Ginada, non, Bounty Hunter, je... Si je rêve pas, Luciano a zoomé, merci. C'était le cas. Alors que ça va essayer d'engager le Keeper of the Light. Il n'y a qu'un niveau 1 sur ce visage, bordel, c'est pas possible. Il galère tellement en termes d'XP.
un double pull réalisé de la part de l'ancien apparition pour la prochaine ligne, alors que ce Bounty Hunter va récupérer une rune de double damage et va venir au middle. Pas de rune, c'est la sixième minute, hein, c'est le meilleur moment pour Gang. Beastmaster qui doit s'en douter, puisque le Bounty Hunter est plus sur sa ligne, Bounty Hunter qui va pas du coup essayer de rester. Alors il a Ginada, Arbof Venom, alors qu'il y a un ulti qui va peut-être essayer d'être claqué, la As qui vient d'être mis, le Roar qui va être mis, et Magnus qui a pris beaucoup de risques et qui va peut-être finir par tomber. En tout cas, il a réussi à mettre son ulti pour réussir à récupérer. Il y a un super shockwave de la part de Smactus. Ils vont s'en sortir tous les deux à très très peu de points de vie, les deux Virtus Pro. Mais ils ont réussi à leur gang, en plus une gang avec une track de la part du Bounty Hunter qui va lui filer beaucoup d'XP puisque le Magnus n'était pas en range d'XP. Je pense, je suis pas certain. Et surtout beaucoup de gold. Donc très bien joué de la part de Virtus Pro, déjà 3-0. Et pour le moment, Dignitas qui gagne pas énormément de lignes, quoi. Qui perd le milieu, notamment en prenant un 2-0 de la part de Smithmaster, avec des bons gangs de la part des supports ou même du Bounty Hunter. En bas, on peut pas dire qu'ils aient forcément gagné. 26 pour le Gyrocopter, 20 pour le Clockwork qui est 5, Gyrocopter qui est 5 aussi. On va dire que c'est à peu près égal en bas. Même si le problème, c'est ce visage, quoi. Ce visage qui est niveau 1. Enfin, c'est... Pardon, il est niveau 3 maintenant, mais il a pris énormément de retard et il va reprendre une lunette dans la gueule. Ancienne apparition qui est revenu en haut. Et qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené, je pense, des tranquilles boots, la Luna ou un brasseur. En tout cas, elle va passer sur un drum. Bounty Hunter qui a complété ses tranquilles boots et qui a peut-être essayé d'être un peu agressif. Je pense qu'il a vu l'ancienne apparition et qu'il va reculer, du coup. L'ancienne apparition qui s'est amené pour récupérer des bottes auprès du marchand. Et en termes de last hit, Beastmaster qui est tombé largement derrière ce Magnus. Et ça va même se ressentir en termes de goal. 400, le Roar qui part, qui est déjà prêt, qui va peut-être permettre de tuer ce Magnus. Le Coq qui est mis, le Skewer qui va ramener Clockwork sous la tour. Et Clockwork qui va peut-être y aller, ça va être complété. Skewer qui a permis de temporiser. Et Clockwork qui a pris énormément de dégâts. Skewer qui va permettre à ce Magnus de se sauver. Alors que ce kick est en train d'arriver, c'est l'ancien apparition qui va venir scout tout ça. Et faut qu'il fasse attention, le Colty, oh là, il prend énormément de dégâts. La track qui est posée sur cette ancienne apparition alors que le Magnus vient tomber. Bounty Hunter qui va récupérer un kill, oh, des super illusions, mais ça va pas forcément l'aider. La Luna qui va arriver, elle aussi, l'invisibilité du Bounty Hunter qui va lui permettre de s'enfuir. Pour pop une charge de refrag, il faut faire au moins 5 de dégâts, après elle résiste. Merci beaucoup de l'info, j'étais pas du tout au courant. Ce qui fait que même les petits machins, ils tapent à combien? Ils tapent à 10 peut-être? Ils doivent pas taper à 10 quand ils ont plus rien. Ils tapent pas à 1, ils tapent à 10. Mais après la résiste, peut-être que du coup, même les petits machins, les petits familiers de visage ne font pas prendre la réflexion. Enfin bref. Pour le moment, 4-1 pour Virtus Pro. L'avantage de gold qui est logiquement en leur faveur. C'est pareil pour l'XP. Et ils sont venus à gauche pour essayer de récupérer la Luna. La Luna qui a eu la bonne idée de partir, en fait, tout simplement. Et l'XP, ça se ressent principalement sur les deux supports. 4 et 4, il y a un niveau 5 du côté de chez Virtus Pro. Il vient juste de passer niveau 5 d'ailleurs. Mais sinon, ça se ressent surtout au niveau de rien du tout, en fait. De rien du tout, de rien du tout. Peut-être ce Clockwork qui est derrière le Giro à deux niveaux. Ouais, deux niveaux derrière le Giro, mais en même temps, tu me diras, la Luna... Non, c'est Clockwork qui est en face de qui? Ouais, je sais pas. Tu vas trouver une lune qui va arriver, qui va mettre un peu de dégâts dans la gueule de la Luna, alors que le Magnus vient de revenir au milieu, et ça fight en bas, j'ai l'impression. Le Coldown qui a été posé pour essayer de DPS tout ça. Le Roar qui va permettre de sécuriser le kill. Et Rubik qui a envie d'être agressif, faut qu'il fasse attention à mon avis, hein. Il peut prendre un gros retour de dégâts. Le Bounty Hunter qui vient d'arriver, le Magnus qui a TP lui aussi, la track qui a été utilisée. Et c'est qui était là? C'était le visage qui a réussi à TP? C'est le visage qui a réussi à TP. Et Dignitas qui a eu la bonne présence d'esprit de reculer. C'était pas forcément évident. Moi je pense que j'aurais essayé de... Bon, il y a le Skewer qui est prêt. Non, il n'y a pas de Skewer. La Shockwave qui est prêt. Il va falloir essayer de deny. Il prend énormément de dégâts, il va prendre la haste et il va s'en aller. Pas de soucis là-dessus. Il l'a même mis juste en bottle. Il savait que ça suffirait à faire fuir tout le monde. Keeper of the Light qui est parti AFK pour récupérer de l'XP.
Pas de danger pour le moment, la traque est toujours sur le Beastmaster qui n'hésite pas à aller farm avec la Luna en attendant. Luna qui vient de compléter un drum d'ailleurs, et en termes de net worth, la Luna qui s'en sort très très bien, 56 de last hit, et qui est devant, légèrement devant le Magnus. Et surtout, ce qui est inquiétant par contre pour Dinita, c'est la place que ce Bounty Hunter est en train de prendre. 1-0-2, il a beaucoup de gold par minute, il est niveau 9, et il va pouvoir être influent s'il continue à réussir à récupérer des kills traqués, ou au moins des assists avec track. Parce que c'est vraiment ça qui permet au Bounty Hunter de décoller en termes de gold et en termes de stuff. Parce que sinon, sinon c'est toujours compliqué, il va lui falloir un BKB à mon avis, même si le roar du Beastmaster pourra permettre de passer au-dessus. Et le roar qui va vraiment essayer d'être. Enfin, il va être principalement utilisé pour contrôler le gyrocopter. Et merci Val, merci Encarta, merci nos micros Mipo, merci tous les petits potes qui travaillent pour Millennium Dota 2 et qui nous font du contenu. On pourrait les remercier parce que bah moi j'écris plus du tout de news et c'est eux qui les font et ils font du très bon taf. Et si vous voulez nous rejoindre, toujours comme d'habitude, lucicno@millennium.org, même si j'ai des candidatures en attente, comme un connard, je m'en occupe pas et c'est un peu insupportable, enfin bref. Drum en préparation du côté du gyrocopter. Drum aussi en préparation du côté du Bounty Hunter et ils vont essayer de gang. Ils sont 4, il n'y a pas de ward. Illuminate qui va arriver pour récupérer des kills alors que ça va partir sur le visage. La traque a été posée. Je suis pas sûr que ça parte jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un ulti de volée? Il n'y a rien du tout de volée sur Rubik alors qu'il y a un ulti d'ancienne apparition qui va arriver et qui va être placé pile sur le gyrocopter. Et gyrocopter qui justement va récupérer la tour, ça va lui faire beaucoup de bien et ça va TP en bas pour défendre la tour. C'est le Bounty Hunter qui va prendre un call fit, le rare qui est pas passé malheureusement, les haches non plus, les wild axes je crois, les haches sauvages, c'est un peu ridicule comme nom en français. Si les mecs, si Valve décidait de traduire en français l'équipe de Valve, ce serait haches sauvages. Ouais, dégueu. La tour qui va être prise par Dinitas. Ils sont deux au milieu. La branche de gold qui continue cependant de pencher en faveur de Virtus Pro. Ça va un peu se réduire sur la. Voilà. Bon, ça s'est réduit très, très légèrement. En tout cas, ils sont toujours deux, les Virtus Pro en haut, à essayer de farm correctement. Clockwork qui a complété, qui va sur un mecha. Donc c'est vraiment la tendance de ces héros utility qui partent en hard lane. Alors là il était en tri-lane hein, mais il va partir sur un mechasme. Il va se rendre utile. Ils sont 5 au milieu les Dintas. Alors qu'il y a une engage de la part du clock sur le Rubik. Ça va être très intéressant, l'outil qui arrive. Magnus qui a fait un beau skewer pour essayer de sortir le clock. Mais Rubik qui va quand même finir par tomber alors que le Magnus a déjà pris beaucoup de dégâts. Un cooldown qui est bien posé, qui va permettre d'exploser la gueule justement de visage et d'ancien apparition avec l'illuminé qui était très bien placé lui aussi. Le Ming Missile qui va partir sur la Luna alors que le gyrocopter a récupéré juste visage dernièrement. Ils sont en train de suivre Clock, non Beastmaster pardon, qui est traqué et qui va être récupéré par les creeps. Et Clockware qui l'avait TP. Une bonne fight de la part de Virtus Pro qui va récupérer 3 héros pour la perte. Seulement du Rubik, donc une très bonne opération et qui a peut-être pour essayer de se sécuriser le milieu. Un super ulti ancien apparition, malheureusement ils vont pas réussir à y aller, pas d'ulti de voler de la part de Rubik, faudrait qu'il essaye de voler... Dès qu'il voit l'ancien apparition, il faut qu'il fonce dessus pour lui prendre son ulti, c'est toujours super intéressant un ulti ancien apparition, même niveau 1. Ou l'ulti, au pire l'ulti de visage. Mais alors l'ulti de visage, à mon avis, il est plus compliqué à récupérer. Mais lui, il est un peu plus galère. Et Dinitas qui va essayer de se faire un Roshan. Non, qui part. Ah, alors j'aime beaucoup cette stratégie. Il est parti dans le Roshan pour se mettre en smoke. Ils vont essayer d'aller récupérer ce Bounty Hunter. Est-ce qu'il y a de la dust? J'imagine il y a de la sentry en tout cas. Il y a beaucoup de sentry, il n'y a pas forcément de dust. La sentry vient d'être posée. Et
Bounty Hunter qui va pas se faire club fit mais qui va prendre un énorme burst et qui va finir par tomber récupéré par Clockwork. Deux héros étaient déjà là alors qu'il y en a deux autres qui arrivent pour Dignitas et ils vont peut-être essayer de fight. En tout cas ils vont essayer de push la tour T2. Oh le Roar qui part sur le Magnus, c'était mal placé, un ulti A qui va toucher et qui va permettre de récupérer le Magnus, c'est très bien joué. L'ulti Clock qui a été loupé j'ai l'impression. Ouais l'ulti Clock qui est parti sur Luna malheureusement. Et Dignitas qui a bien réagi, 7-5. Ils sont un peu moins à la ramasse que la game d'avant. Le Roar qui va... Alors, il y en a un qui m'a engueulé la dernière fois, parce que je disais Roar, Primal Roar. Mais je sais plus, je crois que ça se prononce Roar. Comment ça se... Enfin, s'il y en a qui savent comment ça se prononce exactement, je suis pas un spécialiste de l'anglais. Et j'ai tellement été habitué à dire Roar, c'est parti sur un trip en fait, que je reste à dire Roar. Le type Beastmaster plutôt. Ouais, mais Beastmaster c'est trop long. Quoi. Ulti stun. Ulti. À la base on dit ulti roar. Roar. On dit roar. Le roar. Le roar. Le roar qui vient d'être passé. Et une pause qui va être posée. Une pause qui va être posée pour Rubik qui vient de déconnecter. Le roar. L'ulti roar. Ah, oh, c'est pas passe des 5, c'est passe des 9 aujourd'hui. T'as évolué. T'es devenu un nouveau Pokémon. Une Wardeck qui va être enlevée. Non, qui va être protégée. Je pense que c'est la Sentry qui a été enlevée de la porte de Tintas. Est-ce que c'est leur Ward ça? Osef, de toute façon, tu vas confondre avec l'Ice Pass ou l'Esquiver. Quel abruti. Bravo Guillaume hein. Très drôle. Dignitas qui va se mettre en position pour essayer de défendre cette tour. Pas de stun cons, c'est la stun form seulement, il n'y a pas de nom particulier. La stun form, des formillons de visage qui va pas être disponible. Bounty Hunter qui a décidé de repartir en haut et en termes de network, cette Luna qui domine toujours largement les débats. Alors toujours largement non, qui domine toujours les débats. Clockwork qui est en train de farm, c'est pour ça qu'il perd beaucoup de points de vie. Et je pense qu'il doit pas être loin en fait de son mecha. Et voilà. Il va compléter son mecha en retournant à la base. Il va lui manquer 10 secondes. La Luna qui a complété une Yasha, qui a récupéré la Aegis. J'en ai pas du tout parlé, mais ils ont fait Roshan. Et Rubik a le Primal Roar. Exactement. Il va pouvoir l'utiliser pour engager du coup. Et je pense que c'est le meilleur sort à voler. Avec l'ulti à ancien apparition, je pense que c'est vraiment le meilleur sort à voler. Toujours très actif, hein, les pigeons du visage. Les familiers du visage, toujours très très actifs. Ring of Protection, ça va peut-être partir. Ça va partir sur Vladimir pour le Bounty Hunter à mon avis. Dagger qui est arrivé sur Magnus. Et ça va leur permettre de vraiment engager... correctement, BKB en préparation sur le gyrocopter qui l'aura beaucoup moins vite. Hein. Je vous rappelle, il l'a eu à 13 minutes tout à l'heure. 10 minutes, il a juste le Mitri Lameur. Enfin, il a peut-être quelque chose. Il a rien dans son courrier. Il est ouf ce courrier. Pourquoi il fait un truc bleu comme ça là? C'est complètement flippant. Alors qu'il y a une énorme smoke qui est mise en place par Dignitas. Et il va falloir que ce Bounty Hunter fasse très attention où il va. Ils vont décider de push au milieu. La tour qui va être push de la part de Luna du côté de Dignitas. C'est le Beastmaster qui lui aussi est arrivé. Tour récupérée par le gyrocopter au milieu. Ça va bien l'aider pour son BKB. D'ailleurs, il a dû acheter un... Il n'a rien acheté du tout. Et le gyrocopter qui va être recall à gauche pour farm. Ah, les deux équipes qui s'évitent énormément. Hein. L'avantage de gold s'est largement diminué. Dignitas qui a recollé. Et ça se voit surtout en termes de network. Cette Luna qui est devant alors qu'il y a un ulti-clock qui est parti de très très loin pour récupérer notamment Keeper of the Light, un super ulti-A. Et Keeper of the Light qui est condamné par cet ulti justement.
très bel engagement, une belle combo hein, mise en place par Tide of Time et Universe Dota qui est très très bien gérée. Ça leur permet pas forcément de récupérer cette tour derrière puisqu'il y a l'Illuminate. Enfin non, justement, ils viennent de récupérer l'Illuminate, mais il y a encore énormément de moyens de dépush du côté de Virtus Pro. Le cooldown qui peut même être posé. Hein. Oh, excusez-moi. Le cooldown qui peut même être posé alors que ça va engager l'Aurore qui est placé, un super ulti Magnus qui va récupérer ancien apparition et Luna, j'ai l'impression, la Luna qui va justement perdre cette Aegis. Buyback de la part du Gyrocopter qui va essayer de défendre la tour qui a toujours pas été prise et le Gyrocopter qui justement va avoir TP au milieu, il a tout disponible. Keeper of the Light qui est là aussi et ils vont essayer d'aller engager sur la gauche, track sur le visage, Beastmaster faut pas que tu t'arrêtes, alors que c'est qui, c'est le Clock qui va essayer de TP, ouais, le Clock qui va TP sans aucun problème et la chasse va s'arrêter là. Truc bleu autour du courrier, c'est parce qu'il a été drop autour d'un chest. Putain mais toi t'es complètement ouf, tu connais tout, tu ferais pas partie de Dash et Max. Un long moment blanc a suivi cette joke complètement, enfin, complètement trop laide. Blink Dagger sur le Beastmaster. Ouh, il va pouvoir engager très loin. Un ulti du Clock qui a été loupé. Je pense qu'il a essayé de récupérer Skipper of the Light. Ce qui n'a pas du tout fonctionné. Alors que ça va peut-être essayer de partir. Ouh, le... Magnus qui fait stun par je sais pas trop quoi, un ulti défensif de la part d'ancien patient qui a fait reculer tout le monde. Est-ce qu'il y a un mecha du côté de chez Virtus Pro? Mecha qui doit être préparé du côté de Keeper of the Light? Non. Il achète beaucoup trop de wards pour pouvoir s'en acheter un justement. Vitality booster du côté du visage. Il décide... Alors, c'est très intéressant son skill build à l'ancienne apparition. Il n'a pas maxé Coldfield, il n'a pas maxé Shining Touch alors qu'il est au niveau 8. Il a décidé de prendre 3 niveaux dans chaque et de prendre Ice Vortex derrière. Alors que Neptune, on décide de prendre, bien sûr, au niveau 7, de maxer le sort le plus intéressant. Il a décidé de prendre un Call of the Wild niveau 3, notamment pour avoir ce corbeau si important, ce Greater Oak, qui va leur donner une très grande vision. L'ulti du Clock qui va être de retour d'ici 3 secondes. Va peut-être permettre d'engager, notamment ces deux héros là. Alors ça va être très utile hein, ce Hawk pour le Clockwork puisqu'il peut engager très très loin avec un ulti ancien apparition par dessus, c'est toujours très intéressant. Alors il y a le Skewer malheureusement pour essayer de sortir le Clockwork de la cog, mais le héros ennemi est toujours coincé dedans quoi. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est intéressant, il y a deux équipes qui se neutralisent complètement. Alors, Gyrocopter, lui, pour Virtus Pro, il est en train de farm. Ça, c'est la bonne nouvelle, il vient de s'amener son BKB, justement. Non, il vient de s'amener Mithrilam, Ogre Club. Pas de BKB, toujours. Ah, ça prend beaucoup de temps. La tour qui va enfin tomber, récupérée par Dignitas. Virtus Pro qui a pas décidé de la défendre. Et en termes d'avantage de gold, c'est arrivé à zéro. L'XP qui est passé en faveur de Dignitas. Et... aussi incroyable que ça puisse paraître, ils s'en sortent très bien pour le moment quoi. L'Aegis qui était déjà tombée, Manta de compléter par la Luna. Alors pas de Shadowblade cette fois, Clockwork qui s'achète pas grand chose, qui a peut-être complété des bots, genre des Power Trade, non. Staff of Wizardy, peut-être Force Staff pour sortir de sa cog. Ouais, je sais pas trop. Pas de mecha, je pense que c'est dommage de pas avoir de mecha. Alors, en même temps, il y a un ancien apparition en face. C'est toujours ça le problème. L'ancien apparition qui, je vous le rappelle, annule toute régénération de points de vie, que ça soit par la bottle, par un stick, par le mecha, toute régénération de points de vie, par un Heart of Tarrasque aussi, enfin par la force, parce que l'Heart of Tarrasque de toute façon est désactivé pendant l'ancien apparition, mais ça annule tout. Ça annule tout, quoi. Et c'est. Et c'est pour ça que je pense qu'ils essayent pas de faire farmer un peu plus ce Keeper of the Light. Ils se disent qu'un mecha sera pas forcément utile. Un niveau 8 récupéré, mana leak de prix d'ailleurs. Nigger, c'est Nigger04, sympa ton pseudo. Je viens de faire de la pub. Un petit bot, tranquillou. Non mais même sur Twitch, on se fait agresser de bot, c'est pas possible. C'est pas possible.
Une partie bien calme, hein. 8-7, 24 minutes, les deux équipes qui sont très passives. Ce qui va être intéressant pour Dignitas, ça va être un peu ce moment mid-game avant que le Giro soit totalement imprenable, totalement intestable, où ils vont pouvoir lui foncer dessus. Parce que à partir du moment où il sera peut-être trop stuff, ils n'ont pas énormément de burst Dignitas. Alors ils ont l'ulti ancien apparition qui va beaucoup les aider, puisque ça va réduire tout simplement les points de vie à de 10%, en fait, concrètement, hein. Concrètement, au niveau 3, enfin au niveau 16 de l'ancienne apparition, quand vous êtes dans l'ulti ancienne apparition, c'est comme si vous aviez 12% de points de vie en moins. C'est-à-dire qu'à partir de 12%, vous êtes forcément mort. Donc c'est toujours intéressant dans le cas d'un burst. Hein. 12% de dégâts, c'est du pourcentage, c'est pas dégueu, etc. etc. Il faut quand même réussir à tomber. Et Gyrocopter, c'est pas le héros le plus tanky de la Terre. Mais par contre, s'il commence à avoir un peu de stuff, ça commencera à être compliqué de le tuer pendant le Primal Roar, puisqu'ils ont pas énormément de burst. Alors ils ont le visage qui va avec son Soul Reception faire un peu de dégâts. Clockwork, c'est pas un gros burster. Bon, ils ont moyen de tomber ce Beastmaster, ce Gyrocopter. Par contre, derrière, il y a le Reverse Polarity du Magnus, quoi. Il y a Reverse Polarity du Magnus qui est toujours complet. Enfin, ouais, voilà, quoi. Alors que le Magnus est dans le coin pour une raison totalement obscure. Et il va venir TP. Je pense qu'il était juste venu récupérer. Ouh, c'était chaud justement pour ce Magnus. Il était juste venu récupérer la haste et il s'est fait récupérer. Alors pourquoi ce Ring of Protection? Il l'a acheté tout à l'heure, on l'a vu en attendant. Il l'a acheté au Gros Club. Il a peut-être décidé de partir sur Vladimir et il s'est dit non, je vais faire un BKB. Le problème pour ce Bounty Hunter, c'est qu'il n'y a pas de kill, quoi. Personne vient kill, etc., etc. Mais on va pouvoir regarder tout à l'heure. C'est niveau... C'est 10 de dégâts au minimum. Mais je suis en train de m'endormir sur cette partie. C'est complètement incroyable. BKB de compléter du côté du Giro. Alors là, ça va peut-être être le facteur déclenchant pour Virtus Pro. Ils vont peut-être justement décider d'y aller. Eagle Song qui est arrivé sur la Luna et qui va commencer à DPS sérieusement. Il va falloir s'en méfier. Une smoke utilisée. Je suis pas sûr que cette ward les ait vues. Je suis pas sûr qu'ils se soient mis dans la vision. Je pense qu'ils sont restés là-dedans. Je les ai pas tous vus. Donc pourquoi pas. En tout cas, une smoke utilisée, je pense qu'ils vont s'en douter, les Virtus Pro. Il va pas falloir se faire récupérer parce qu'ils sont un peu split, hein, cela dit. Le Bounty Hunter qui est un peu loin, etc., etc. Ils sont sur une ward, donc ils attendent à peu près personne. Il faudrait... Oh, l'ulti du clock qui est loupé. Oh là, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Que c'est dommage pour Dignitas. Il y a une gemme, j'ai l'impression. Non, une sentry qui vient d'être posée. Luna qui va retourner farm. Est-ce qu'elle a quelque chose dans le chicken? Non, elle vient juste d'acheter son Eagle Song. Roshan qui a repop, hein, d'ailleurs. Et je pense que c'est ce que Dignitas a envie de se sécuriser, en fait. Dignitas a vraiment envie de le sécuriser pour... Enfin, dans le sens où ils vont essayer de récupérer un kill, d'engager à teamfight, alors qu'il y a une smoke, cette fois du côté de Virtus Pro. Et Dignitas est beaucoup moins stacké que Virtus Pro l'était auparavant. Une sentry qui est posée, ils ont vu la ward ici. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, ils ont vu qu'il y avait une sentry ici, qui s'est posée. Peut-être une mauvaise idée de poser ces sentries pendant le... Ouais, ils l'ont vu, les Dignitas. Ils ont vu une sentry arriver, ils se sont dit, il y a quelqu'un en smoke dans le coin. Il aurait jamais dû la poser. Alors en même temps, vous allez me dire, peut-être qu'ils étaient en train de regarder là, hein, parce que du coup ils étaient pile sur la vision de la sentry, donc s'ils regardaient à cet endroit-là, ils pouvaient les voir. Pas de ward, hein, qui a été posé de la part du Keeper of the Light. Il en est où de ses wards? Il a complété un force staff et il va recall, je sais pas trop qui.
sûrement le Giro pour essayer de fight alors que le Roshan est engagé de la part de Dignitas. Il va falloir se dépêcher. S'il laisse une Luna Aegis encore une fois de plus, ça peut être très emmerdant. Roshan qui tombe très très vite en plus, ils vont pas avoir le temps d'y aller. Et je pense qu'il, ouais, si l'Illuminate va leur permettre de voir, quoique. En tout cas, l'Aegis qui est récupéré par cette Luna, j'ai eu un gros freeze. J'espère que c'est pas trop grave. Alors que l'ulti du clock vient de partir sur Keeper of the Light qui avait un forçable, c'est très bien joué de la part de l'univers qui avait complètement prévu ça. BKB utilisé de la part du Gyrocopter. Faut qu'il fasse attention. Le Roar qui va arriver justement sur Gyrocopter et récupérer deux kills très facilement. Roar utilisé de la part de Rigby après l'avoir volé et lui semble une qui va permettre de patienter un peu à Telekinesis pour essayer de gagner du temps. Mais c'est 3 kills récupérés par Dignitas. Pas d'Aegis de tomber. Et c'est une très très bonne nouvelle. Et ils vont pouvoir se permettre d'aller au milieu. Alors c'est Rod of Athos qui a été complété sur Visage. Ce qui me semble pas du tout mauvais. Et une pause qui va être demandée par Dignitas après la déco de Way Too Sexy. S'ils s'en rendent compte, voilà. On va essayer de regarder un peu en attendant dans la différence de goal qui va voilà, s'inverser littéralement. Il n'y a pas encore énormément de différence de goal. Hein. Il n'y a que 3000 goals de différence en termes de net worth. C'est le Gyrocopter qui est devant. Alors Gyrocopter, qu'est-ce qu'il a comme stuff? Il a 1400 goals. Pourquoi il a autant d'avance en termes de net worth? Ah bah oui. Non mais non. Parce que la Luna a déco en fait. La Luna elle a 2110 gold. Mais tout ça, ça ne compte pas parce que c'est un joueur déco. Je pense que la Luna est largement devant en termes de net worth. Rubik, il en est où? Il est en train de compléter un force staff. Beastmaster qui a très bien farm, qui a Vladimir, 1400 gold. Magnus qui essaye de compléter un BKB, il va lui manquer 600 gold, si je dis pas de bêtises. La Luna, vous voyez, regardez, elle a 4000 gold d'avance, voire 5000 gold d'avance, ce qui est énorme. Visage qui a complété Rod of Athos, comme je vous l'ai dit. Mekasm qui arrive sur Clockwork, ça on l'avait déjà vu. Et Laghanim en préparation. Toujours rien de plus. Black King Bar, le récip qui vient d'acheter. Il va manquer 1000 gold aux Bounty Hunter pour le compléter. Et puis voilà, on a fait le tour. Dignitas qui va pas profiter des deux morts pour pusher le middle. Et Magnus qui va essayer de compléter 400 gold de son BKB et qui va essayer de le compléter. Ah oui, qui est toujours là, qui est en train de TP. C'est le Magnus qui s'est barré. Luna qui va essayer de farm. Holy Master qui déco encore une fois de plus. Tout va bien. C'est pas de joueur, donc ça nous dérange pas trop. Mais c'est une partie assez longue, hein, assez longuette. Et je pense que Dignitas, malgré leur stratégie un peu originale en quelque sorte, alors pas forcément leur stratégie, mais en tout cas leur pick, hein, Clockwork, Ancien Apparition, Visage, c'est très étonnant comme pick, et on le voit pas régulièrement. Visage qui fait un gros taf, qui permet de, qui vient des push avec ses petites bestioles sur les côtés. En termes de last hit, je sais pas où il en est. Il est à 66 last hit, ce qui n'est pas du tout négligeable pour un support. Et surtout, ça permet de contrôler les lignes. Hein. Ça fait un peu de dégâts. Ça fait combien de dégâts ces trucs? Ça fait 100 de dégâts. Je suis pas sûr qu'il récupère l'XP par contre quand il fait des kills avec. Et ils ont créé une ward, ils sont en plein dessus, les Virtus Pro, et ils s'en doutent pas du tout. Dignitas qui est parti sur la droite, alors que le Bounty Hunter a peut-être réussi à scout. Qu'est-ce qu'ils ont vu là? Oh, l'ulti qui va partir sur Magnus, le Roar juste après, il va falloir réussir à le tomber très rapidement. L'ulti de l'ancienne apparition qui arrive, il va peut-être essayer de mettre l'ulti. Non, oh là là, il a failli mourir. Il devrait d'ailleurs mourir sur l'ancienne apparition, alors que le Rubik s'est fait lui aussi défoncer. Non, il va s'en sortir sans problème. J'étais un peu optimiste.
des Soul Assumption qui sont envoyés de la part du visage sur tout le monde. Et la tour qui est tombée en haut, détruite. Non, en bas, pardon, détruite par, par The Dyer. Donc ils ont réussi à prendre la tour T2 grâce au creep. Et Dignitas qui est du coup en bonne position. Ils mettent beaucoup de pression. Magnus qui va TP au milieu. Ça va être très dangereux pour cette Luna qui est à l'aigle, je vous le rappelle. Qui va mettre son ulti. Bounty Hunter qui va tomber un peu bêtement d'ailleurs. Ça peut être. Ça va être de même pour Keeper of the Light avec la Soul Assumption qui va arriver de l'autre bout de la terre. Et la tour qui va tomber. Coldoun qui est posé et qui va. Un gyrocopter qui va essayer de DPS. Le Roar, est-ce qu'il est prêt? Pas de Roar pour essayer de tuer ce gyrocopter. Magnus par contre qui va lui tomber. Il n'avait pas utilisé son ulti. Oh là 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 là. Virtus Pro qui s'offre un peu là, qui va perdre ses 5 euros bêtement. Ils sont morts tous un à un. Il n'y a jamais eu de teamfight côté Virtus Pro, c'est incroyable. Et Dignitas qui aura réussi à gérer cette. C'est teamfight et c'est le GG qui a annoncé dans une partie où on se sera fait chier du début à la fin, bordel! Excusez-moi. Bon, eh bien Dignitas qui en parle, ça va faire quoi? Ça va faire 10 000 gold d'avance, 15 000 XP. Bah ils auront fait un push à la fin avec un Aegis et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et là, le trône qui va tomber. Et on espère que du coup, la troisième et dernière game sera passionnante. Des équipes qui sont à 1-1 et je vais en profiter pour ouvrir deux coffres. Et puis, à ceux de YouTube, je vous dis à tout de suite. Enfin, à quand vous regarderez la prochaine vidéo. Vous avez compris l'idée.